On est ravis de le recevoir à nouveau pour son nouveau roman. Voilà, donc il va pouvoir vous parler et donc il va nous lire des extraits. Voilà. Chanter. Et chanter des. Alors chanter des extraits, ça c'est une nouveauté. Voilà, merci à tous. Merci à venir. Je suis le docteur Fürstenberg, prénom Michel. Je suis comme vous, homme, mari et fils infidèle. Je vous salue bien bas, mon beau monde de fiction. Ma spécialité à moi, croyez-le, c'est l'addiction. Tout pour faire un monde, disait souvent ma grand-mère, et elle avait raison. J'ai vu défiler toute notre société dans mes services comme des cargaisons d'alcooliques amers et d'autres gays et folichons. Des ministres, des artistes, des clochards, des mères de famille, des jeunes ados, des vieillards, des cadres, des ouvriers de manie, des médecins, des suicidaires, des euphoriques, des déprimés, des bien intégrés dans notre société. Des riches, des pauvres, des moyens, des femmes, des hommes de Sodome et d'autres de Gomorre qu'on appelait Éléonore. Des homosexuels, bisexuels, hétérosexuels, monosexuels, métrosexuels et des pansexuels pour un sou. Il faut de tout pour faire un monde, disait souvent ma grand-mère, et elle avait raison. J'ai vu des religieux, des agnostiques, des musulmans, des catholiques. J'ai vu des bouddhistes, des francs-maçons, des criminels, des prêtres diaboliques. J'ai vu des menteurs, j'ai vu des juges et des policiers, des prêtres et des communards. J'ai vu des fachos, des communistes, des centristes, des apolitiques, des dreyfusards. J'ai vu des honnêtes, des combattants, des abattus. J'ai vu des parvenus, des gardes à vue, des moustachus, des rasés pollus, toute la SAMU. J'ai vu les Indiens de Bombay, les Juifs de Brooklyn, de Mont-Saint-Michel. J'ai vu ceux qui trompaient et ceux qui restaient fidèles. Il faut un coup pour faire le monde. Des PDG, des artistes, des clochards, des femmes nues, de viriviles, des femmes de ménage, des vieillards, des cadres, des ouvriers, des analystes, des suicidaires, des euphoriques, des déprimés bien intégrés, des riches, des pauvres, des classes moyennes, des avocats transgenres, des femmes citoyennes, des sodomes et gomorres en pléthore, des homosexuels, pansexuels, allosexuels, intersexuels, métrosexuels et des bispirituels, végétariennes. Il faut le tout. On fait le monde, disait souvent ma grand-mère, et elle avait raison. J'ai vu des protestants, des agnostiques, des musulmans, des laconiques. J'ai vu des bouddhistes, des francs-maçons, des criminels, des canoniques. J'ai vu des archevêques, j'ai vu le commissaire d'Éric, j'ai le secrétaire des musiciens. J'ai vu des macronistes, des communistes, des centristes, des magiciens. J'ai vu des honnêtes, des combattus, des abattants. La France insoumise et celle de Zemmour. J'ai vu les princes et leurs cours et les bombardés d'Hambourg. J'ai vu des pédophiles, des zoophiles, des fétichistes. J'ai vu Madeleine et Jésus. J'ai vu des masochistes, des exhibitionnistes, des nécrophiles, des dépourvus, des introvertis et leurs psys. Des gardiens de prison et leurs chéris criminels. J'ai vu ceux qui trompaient et ceux qui restaient fidèles. Il faut de tout pour faire un monde, disait ma grand-mère, et elle avait raison. J'ai vu défiler toute notre société dans mes services comme des cargaisons d'alcooliques amers et d'autres gays et folichons. Je suis le docteur Fürstenberg, prénom Michel, médecin par conviction. Et croyez-le, ma spécialité, c'est votre addiction.
ne pas savoir qui a raconté quoi, parce que oui, c'est mélangé. Oui, mais tout ça, c'est vrai. D'habitude, on est tout le groupe participatif, comme qui lisons un petit passage en tout temps. Et là, c'est la première fois qu'on innove vraiment lecture, chanter. On ressent toute l'émotion. C'est surtout pas du tout comme une lecture que là, c'est vraiment de l'écoute. Tandis que là, c'est l'émotion, c'est le cœur qui parle. Et donc, ouais, j'étais placé en face du spectateur. Et là, c'est de voir l'émotion du spectateur se prendre. Là, c'est énorme. Tout en sachant que les passages, j'en ai quand même lu et j'en ai écrit. Je les connais. Et là, c'est encore plus fort. Ah oui, d'accord. C'est super.